Et ma compte, une dame vient de me bastonner à cause de son mari. Aïe, mais pourquoi? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Hé, hey, attention! Elle a levé son mari qui rentre tard. Aïe, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Explique-nous. Et ma compte, son mari m'a vu sur les réseaux sociaux, m'a dragué. On a commencé à sortir ensemble. Oui. Mais madame, pourquoi vous bastonnez ma petite Yougos, ma petite caviar? Elle a fait quoi de mal comme ça? Oui, on t'écoute, ma petite. Ma coach, le gars et moi, on a commencé à s'aimer jusqu'à un voyage ensemble. Mm-hmm. Quand il prend ses congés, on va au Maroc, on fait ses congés et puis on revient. Maintenant, tout ça là, la femme a su. Mm-hmm. Hier soir, il m'a invité à une soirée, on était partis. La dame nous a retrouvés là-bas. Ma coach, elle m'a frappée. Maintenant, elle m'a arraché ma perruque. Elle a dit que elle va me brasser. Faut pas pleurer, hein. Non, faut pas pleurer, maman. Faut pas pleurer. TikTok n'aime pas ça. Faut pas pleurer, pardon. Faut te calmer, tu expliques, pardon. Oui. Maintenant, je vais faire quoi, ma coach? Mais pourquoi ta camarade femme te frappe comme ça? Tu n'as pas pu te défendre? Ma coach, elle était grosse, elle est plus forte que moi. Vous n'avez pas dit que vous aimez sortir un mari des gens. Toi-même, tu regardes Goliath. Toi-même, tu vois que Goliath, sa femme est Goliath. Mais quand même, tu t'en vas sortir le monsieur. Voilà maintenant, Goliath en face de toi. Tu sais plus comment réagir. Mais le monsieur, il t'a pas défendu, il faisait quoi dans tout ça? Ma coach, c'était à une soirée. Oui, avec mais... tous ses amis. Il n'était même pas à côté. Maintenant, il a pris sa femme. Quand il l'a ramenée à la maison, il m'a laissé seul. C'était une amie qui m'a déposé. Maintenant, la dame même, elle est partie avec ma perruque. Quand je vais te brasser, tu vas regretter. C'était son dernier mot comme ça. Ah. Donc, quand elle a fini de te frapper, elle a arraché ta perruque là. Elle dit, elle va te brasser. Tu vas regretter. Oui. Ah. Oui. Mais le monsieur, et donc son mari, quand ça s'est passé, son mari l'a prise, ils sont partis à la maison. Il t'a abandonné seul dans la soirée là, comme ça. C'est son ami qui t'a déposé. Oui, ma coach. Ah. Maintenant, quand lui il est rentré maintenant là, est-ce qu'il t'a appelé pour savoir comment tu vas, où tu es? Il m'a retrouvé à la maison, il m'a dit que ça ne va plus se répéter, qu'il a parlé, quoi, patati, patata. Moi, maintenant, comme c'est pas ça qui me dérange, c'est les miennes. Là, c'est de la dame, là. Mmh. Ma coach, on est tous des Africains, hein. Mmh. Mmh. Donc, quand il allait déposer sa femme à la maison, là, après, il t'a rejoint chez toi. Ma coach, il est revenu chez moi. On était resté jusqu'à 4 heures. Le même soir, là, il est venu te voir. Le même soir. Ma coach, le gars même. Ah. Mais quand il est venu te voir, là, il a dit quoi? Il a dit que ça ne va plus se répéter, que ta femme va... On va plus nous chercher que de me calmer, d'oublier ce que la dame m'a dit, les incites, les menaces. Moi, je parle d'esprit tranquille. Donc, c'est quoi ta question? Ma coach, que je ne sais pas ce que je vais faire. Tu vas conseillez-moi ou je dois quitter le gars ou bien aller chercher ma perruque chez la dame. Quand toi-même tu sors avec un homme marié, puis sa femme vient te bastonner jusqu'à elle arrache ta perruque, puis elle te dit, si tu ne laisses pas mon mari, tu vas voir ce que j'ai été fait là. Tu dois comprendre que c'est arrivé au niveau où tu dois arrêter tout. Parce qu'au moins ça va, elle ne savait pas. Au moins elle ne savait pas avant, tu faisais. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle-même t'a dit, faut arrêter. Faut arrêter de ma petite. Oui. Ah! Il faut arrêter. Quand tu sois avec un homme marié, jusqu'à si sa femme t'a attrapé, que jusqu'à elle fait pas la belle toi, et puis elle te dit, il faut laisser mon mari, sinon tu vas voir ce que je vais te faire là. Il faut quitter dans ça.
Il faut quitter dans ça. D'accord. Sinon, si elle allait faire là, que ça te prend là. Ah. Oui. Tu comprends? Ouais. Ah, donc il faut laisser l'homme marié là. Il faut quitter dans son affaire. Merci, ma coach. Courage à toi, ma puce.